ce matin, je repars du campement de Niekero. Super campement. Merci, merci Guy. Merci Roger pour votre accueil hier soir. J'ai passé une très bonne soirée. Je suis de nouveau sur la piste au Sénégal et j'en profite pour faire quelques reconnaissances en vue de créer un super parcours 4x4 pour vous. Si vous avez envie de venir découvrir ce pays avec des 4x4 de location, je suis en train de vous préparer un itinéraire touristique avec des belles pistes, plein d'endroits à visiter, des cascades, le parc naturel, etc. Je suis en train de vous préparer un petit itinéraire avec des super lieux de campement. Voilà, je profite du Sénégal. J'attends une pièce de Dakar, le fameux Calorsta qui m'ennuie depuis quelques jours. Donc j'attends la pièce de Dakar et pendant ce temps-là, et ben, Polo et sa famille m'ont accueilli généreusement et ils m'ont autorisé à filmer. On va entrer, vous allez voir, c'est super sympa. Alors voici la maison de Polo. Donc là ce soir, c'est un menu de fête parce que je suis allé acheter des poulets. On va faire des poulets. Donc là, on prépare la sauce avec le pilon. Les frites, toute la cuisine est faite au feu de bois. Le poulet. Et là, ça fait déjà 2 heures que vous cuisinez. Hein. Donc, c'est beaucoup de préparation. Donc, ça va être très bon. Donc, on va passer à table alors. Ouais. Hein? Ouais. Super. Ouais, Laurent, on est en train de démonter l'entraînateur pour démonter le truc qui est tombé en banque. Ouais, le thermostat. Thermostat.
piste pour aller aux cascades est très compliquée. J'ai deux personnes devant moi qui marchent pour me montrer le passage. Oh là là. J'allais voir à pied parce que je sais pas du tout si ça passe. Bon, elle n'a rien dit de me faire signe. Oh, j'ai jamais remonté de l'autre côté là. Ah, déjà, on va déjà commencer par dégonfler, on va mettre un kilo dans les pneus. Que la pente est raide et puis je suis sur de l'herbe. Et il n'y a pas pire comme adhérence de l'herbe une fois qu'elle est écrasée et humide. Donc je vais mettre un kilo. Ah, l'envoi grave cette caisse quand même. En deux roues motrices, c'était pas gagné.